Bienvenue. C'est un plaisir pour nous d'être réunis ce matin, d'être rassemblés pour écouter la parole de Dieu. Hier soir, on a eu une rencontre de la jeunesse et ça a vraiment fait du bien pour les jeunes d'être réunis. En fait, ça leur tente de se revoir cet été. C'est juste un début. Il y a quelques-uns qui sont rassemblés ce matin pour écouter, d'autres qui vont nous écouter en audio ou vidéo. Et Dieu voulant, d'ici la mi-septembre, nous allons nous retrouver tous ensemble pour louer notre Dieu, écouter sa parole et prier les uns avec les autres. Je vous invite à prendre votre Bible, parce qu'on n'a plus le droit de distribuer les Bibles, on doit apporter notre Bible, BYOB, Bring Your Own Bible. Alors, merci au gouvernement, il nous encourage à apporter notre propre Bible. Notre texte est dans l'Évangile selon Luc, Luc chapitre 17. C'est l'histoire des guérisons, la guérison des 10 lépreux. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Écoutez cette parole de notre Seigneur. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entre dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'étaient à distance et se mirent à lui dire, « Jésus, Maître, aie pitié de nous! » Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tombait le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les deux n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Amen. Prions pour que Dieu bénisse cet enseignement. Notre Dieu et Père, nous sommes ici devant ta parole, parole de vie, parole qui guérit. Et nous voulons rencontrer celui qui est la parole de vie, Jésus. Nous voulons connaître sa guérison, sa purification, son salut. Amen. J'espère que c'est assez évident pourquoi j'ai choisi ce texte pour ce matin. C'est en lien avec la situation que nous vivons présentement, la pandémie COVID-19. Je vois qu'il y a des liens entre les deux textes parce que même avant que le docteur Arruda, le docteur Arruda a nous appelé à la distanciation. Il y avait les lépreux qui gardaient distance. Distance entre lui, eux et Jésus. Puis toute l'histoire, ça monte, ça va vers le rapprochement, d'être proche de Jésus, jusqu'aux pieds de Jésus. La pandémie COVID-19, ce n'est pas encore terminé. On est toujours appelé à garder la distance, la distanciation. Mais petit à petit, on fait du progrès. On arrive à aplatir la courbe. Et chacun dans cette pandémie, on a notre histoire, ce qu'on a vécu. Comme par exemple notre famille, Mélanie et moi, au début, on allait rendre visite à une amie qui était mourante à l'hôpital Jeffrey-Halle. Puis là, c'était la première éclosion de la COVID ici à Québec. On a dû vivre 14 jours de quarantaine. Puis la semaine dernière, c'était notre fils Asher qui a eu le COVID-19. Pas de souci pour nous, lui à San Diego, puis lui et sa famille, ils se portent très bien. Chacun de vous, chaque famille, vos amis, vous avez vos histoires qu'on peut partager. Mais en gros, on peut dire que cela va bien, ça va très bien. On a été épargnés le pire. Notre santé est protégée, ceux qui sont tombés malades, beaucoup sont guéris, il y a peu de morts. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Nous disons merci à Dieu. Comme on dit à un enfant, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Comme on ici dans cette histoire, un Samaritain, lépreux, qui est revenu, guéri, lui, il dit merci. Et ce matin, ce qu'on veut faire, c'est de développer cette idée de merci. Qu'est-ce que ça veut dire de dire merci? À qui dirons-nous merci? Comment le dire? Qu'est-ce que ça signifie de dire merci? Et pourquoi? Pour quelle chose est-ce qu'on dit merci à Dieu? Mais surtout, qui dit merci? Qui le dit? Et même, qui le dira? Qui va dire merci avec nous? Ici, l'histoire, c'est une histoire d'un merci
inattendu, une merci qui surprend. Et on va regarder le texte en trois temps. D'abord, on va simplement considérer la guérison de ces lépreux. En deuxième temps, on va regarder celui qui est venu, l'un d'eux qui est revenu pour dire merci. Puis surtout la grande surprise, celui qui revient, c'est un Samaritain reconnaissant. Mais d'abord, commençons avec ces 10 lépreux. Ceux qui sont guéris, purifiés, mais ils sont invités à reconnaître, recevoir le salut en Jésus-Christ. Ils sont invités même à s'approcher de Jésus, de Dieu lui-même. L'histoire commence avec les lépreux, 10 lépreux. C'est une maladie de peau, une maladie qu'on ne précise pas ici. De nos jours, on parle de la lèpre, qui est une maladie spécifique, mais à l'époque, la lèpre parle de plusieurs maladies de peau. Mais ils étaient contagieux. Et alors, le souci de ne pas contaminer, infecter les autres, ils gardent distance, comme de nos jours avec le COVID-19. On garde distance. Il y avait la distanciation à l'époque à cause de la loi de Moïse. Vous pouvez le lire, Lévitique chapitre 13 et 14. Et en passant, c'est intéressant, en lisant d'autres textes, référence à d'autres nations dans l'Antiquité, les autres nations n'avaient pas de loi pour garder la distance. La distanciation, c'est dans la loi de Dieu. Et nous reconnaissons donc la compassion de la loi de Dieu. C'est pour notre bien, c'est pour protéger la santé des uns des autres. Mais ici, la lèpre, c'est plus qu'une question d'hygiène et de contamination. Il y a aussi une question de pureté et de la purification. Un souci pour ce qui est rituel et d'aller adorer Dieu dans le temple. Même, il y a un aspect de cette relation spirituelle. Celui qui avait la lèpre, il était considéré comme séparé de Dieu, Dieu qui est pur et saint. Aussi séparé de son peuple, le peuple saint et pur de Dieu. Si vous lisez en Lévitique chapitre 13, surtout la fin du chapitre, celui qui avait la lèpre, le lépreux, il devrait se couvrir la moustache. Couvrir la moustache comme un masque peut-être. Il devrait crier « impur, impur » pour avertir les autres. Mais aussi, étant impur, nous lisons, il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp, hors du village, séparé des autres. Si on regarde l'ensemble de ce que la Bible dit concernant la lèpre, on voit que la lèpre est un reflet de l'impurité de notre vie, du péché qui est dans notre vie, qui nous rend impurs. La lèpre était considérée comme une malédiction de Dieu, une malédiction de Dieu sur le péché. Et donc, les lépreux étaient séparés de Dieu. Ils n'avaient pas le droit d'aller entrer dans le temple pour faire des sacrifices avec le peuple de Dieu. Et cette exclusion sociale était nécessaire, mais difficile. Difficile d'être séparé des relations normales avec d'autres êtres humains. Comme nous vivons de nos jours avec la distanciation. Pas toujours facile de garder cette distance. Mais encore plus difficile, c'est de vivre la distance, le manque de contact humain. De ne pas vivre même un toucher humain. Quelqu'un m'a raconté l'histoire dernièrement d'un coiffeur. On vient d'ouvrir les salons de coiffeur, puis il y a un monsieur qui est entré, puis il a dit à la coiffeuse, « Vous êtes la première personne à me toucher depuis 3 mois. » Aucune toucher humaine depuis 3 mois. Psychologiquement, émotionnellement, c'est difficile à vivre. Aussi pour les lépreux à l'époque de Jésus. Alors, nous ne sommes pas surpris que ces lépreux, ils demandent à Jésus d'être guéri. Jésus, Maître, aie pitié de nous, aie compassion de nous. Ils avaient déjà entendu les histoires, probablement, d'autres lépreux qui étaient guéris par Jésus. Et alors, tout le monde en parle, tous les lépreux en parlent, ils parlent tous de Jésus, ce guérisseur. Ils savaient que Jésus était dans leur quartier, dans leur région, leur quartier, alors ils lui criaient, aie pitié de nous. C'est la réponse de Jésus qui nous surprendrait peut-être. Jésus leur dit, « Allez vous montrer au prêtre. » De nos jours, on dit, « Allez vous montrer au médecin. Allez au sans rendez-vous de la clinique. Allez à l'urgence. » Qui nous dit, de nos jours, « Allez vous montrer au curé, au pasteur. » Cela n'était pas surprenant pour les Juifs à l'époque. D'abord, il y avait très peu de médecins. Deuxièmement, la loi de Moïse, Lévitique chapitre 13 et 14, exigeait que les prêtres
examinait la lèpre. Les prêtres n'étaient pas là pour prescrire, désolé, un remède. Ils avaient plutôt la responsabilité de diagnostiquer la maladie, puis ensuite vérifier si la personne était complètement guérie. De plus, puisque la lèpre était en lien avec le péché, il fallait faire le sacrifice pour le pardon, la purification de celui qui est guéri. S'il y a quelque chose qui nous surprend dans ce texte, c'est que Jésus leur dit d'aller voir le prêtre avant d'être guéri. Avant d'être guéri. C'est sûr, en allant, il fut guéri, dit le texte. Mais il fallait que ses disciples partent aller à la rencontre du prêtre avant d'être guéri. Autrement dit, il fallait croire Jésus sur parole. Il fallait croire qu'ils allaient être guéris en route. Il fallait faire confiance à Jésus et son pouvoir de guérir. Donc les lèpres, on ne dit pas dans le texte qu'ils ont cru en Jésus, mais leur geste, leur action de partir, leur obéissance est une démonstration de leur foi en Jésus et sa capacité de les guérir. Et ils furent guéris, dit le texte. Je veux souligner un détail par rapport à cette guérison qui est un peu difficile dans notre traduction, mais dans le texte original, il y a trois mots qu'on utilise pour décrire la guérison. D'abord, il y a le verset 14. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Littéralement, ils furent purifiés. Deuxièmement, verset 15. L'un d'eux se voyait guéri. Bonne traduction. Verset 17. Jésus dit, les dix n'ont-ils pas été guéris? Encore purifié, comme au verset 14. Et enfin, le verset 19, Jésus lui dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Tous ces trois mots, on peut les traduire par l'idée de « guéri », parce qu'on parle du bien-être de la personne, de son corps, de sa vie. Mais en même temps, il y a une distinction. Et à travers ces trois mots, on voit qu'il y a une allusion à un autre niveau de guérison. Une guérison de purification, d'être purifié du péché du mal, mais aussi un salut, ils sont sauvés pour être en bonne relation avec Dieu. Et donc, ce qu'on a dans cette histoire, ce n'est pas la simple guérison physique, guérir la peau qui était malade. Il y a plutôt une guérison de la personne au complet, une guérison totale, globale. Il y a la vie qui est guérie. Il y a aussi la vie, la peau, le corps, l'âme qui est purifiée. Il y a aussi la personne qui est sauvée. Et alors, cette distance qu'il fallait garder n'est plus nécessaire. La distanciation, c'est terminé. On peut s'approcher de Jésus, même se mettre à toucher ses pieds. Donc, au lieu d'être loin, garder la distance. On peut s'approcher de Dieu. On peut s'approcher pour avoir ce contact humain. On peut s'approcher de Jésus qui est Dieu pour avoir le contact avec Dieu et avec son peuple. La guérison des 10 lèpres, c'est pour les inviter au salut. La guérison des 10 lèpres, c'est pour les inviter à s'approcher de Jésus lui-même. Et tout cela, ce qu'on a vu jusque-là, la guérison miraculeuse, la purification, même le salut, nous le prenons dans d'autres miracles de Jésus. L'élément nouveau ici, c'est le retour d'un seul de ces lépreux pour dire merci. Écoutons encore une fois ce que nous lisons, versets 15 et 16. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. Le remercier. Donc la guérison, même la purification, suscite la reconnaissance. La purification, la guérison suscite la reconnaissance. La foi vivante est reconnue par sa reconnaissance. La foi vivante est reconnue par sa reconnaissance. Désolé. Pour un peu plus de détails ici, plus loin, on va regarder le fait que c'est un Samaritain, mais je veux souligner trois choses ici par rapport à celui qui revient. D'abord, c'est un seul qui revient. Un seul qui revient reconnaissant. Ça, on comprend un peu. On comprend les autres. Ils avaient tous hâte d'aller voir le prêtre, être déclaré
pure et alors réintégrer la société, aller voir leur famille, aller voir leurs amis qu'ils n'ont pas pu voir depuis longtemps. On comprend qu'eux, ils avaient hâte d'aller voir le prêtre. Et en fait, comme nous, c'est un peu comme nous avec le COVID, maintenant qu'on commence à vivre le déconfinement, on a hâte d'aller voir nos familles, d'aller voir nos amis, passer du temps avec eux. Donc on comprend bien les neuf qui ne sont pas revenus à Jésus. En fait, c'est la réponse encore plus extraordinaire de celui qui est revenu. Mais c'est un seul. Un seul sur 10. Si vous faites un examen, vous avez la réponse, c'est 1 sur 10 qui est bon. 10% sur un examen, ça, c'est pas bon du tout. 1 sur 10 qui revient avec une foi reconnaissante. Mais en même temps, si au Québec, on a 1 sur 10 qui exprime une foi reconnaissante envers Dieu, on serait très content. On serait très heureux. Parce que, rappelons-nous, selon les statistiques, c'est 1 sur 100 qui manifeste une foi en Jésus-Christ avec reconnaissance, qui croit que Jésus est le Seigneur et Sauveur personnel. 1 sur 100. Mais que ce soit 1 sur 100 ou 1 sur 10, nous sommes reconnaissants pour chacun qui manifeste une foi reconnaissante envers Jésus-Christ. Deuxièmement, on note qu'il vient pour rendre gloire à Dieu. Il vient pour remercier Dieu. Comme faisait les psaumes, ce matin, nous avons lu le psaume 30. On peut lire aussi le psaume 103. Le psaume 30, David dit, « Je t'exalte, Éternel, car tu m'as relevé. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. J'exalte, je loue, je remercie Dieu parce que tu m'as guéri. » Et alors, ce Samaritain, lépreux, guéri, il remercie l'Éternel, l'Éternel Dieu d'Israël, le Dieu vrai et vivant. Nous, avec le COVID, c'est bien de remercier ceux qui travaillent dans la santé, surtout les préposés. On les remercie pour leur travail. Mais il faut d'abord et avant tout remercier l'Éternel Dieu qui nous guérit, qui protège notre santé. On ne remercie pas la vie, comme dit beaucoup, on remercie la vie. Non, non. La Samaritaine même, qui vient d'une nation qui n'adorait pas Dieu, il vient pour remercier l'Éternel Dieu, le Dieu vivant. Mais il y a un autre aspect, une autre nuance ici. Il vient aussi pour remercier Jésus, parce que Jésus est Dieu. Dans ce texte, dans cette histoire, implicitement, on reconnaît que Jésus est Dieu. Voyez-vous, le Samaritain, il aurait pu partir et aller à l'autre temple pour remercier l'Éternel Dieu. Il était présent dans le temple, mais il revient à Jésus-Christ. Il revient à Jésus parce qu'il reconnaît, oui, Jésus est un guérisseur. Oui, Jésus est le grand prêtre devant qui il devrait se montrer. Mais plus que ça, il reconnaît que c'est Jésus qui est Dieu. Il se met à genoux devant Jésus, se prosterne devant Jésus, comme on adorait l'Éternel Dieu. En fait, tous les miracles de Jésus, une des raisons, ils sont dans les Écritures, c'est pour démontrer que Jésus est Dieu. On fait un miracle, Jésus fait un miracle, puis on dit, « Mais qui est cet homme? » Puis on se rend compte, mais en fait, ce n'est pas seulement un homme, il est aussi Dieu. On remercie, on rend gloire à Dieu le Père et à Jésus-Christ. Mais troisième chose, c'est simplement de souligner, c'est de rendre gloire à Dieu, de remercier Dieu. Donc, deux descriptions qu'on a dans les textes, versets 15 et 7, c'est de rendre gloire à Dieu, d'honorer Dieu, glorifier Dieu et le remercier. Et ça, ça vient de la foi quand on est guéri, la foi quand on est purifié, quand on est sauvé, la foi se manifeste d'abord par la confiance en Jésus-Christ pour être sauvé, puis ensuite aussi la reconnaissance pour glorifier Dieu. C'est la foi qui, ici, c'est une marque essentielle de la foi. Une foi véritable et vivante, c'est la reconnaissance. Un commentateur sur ce texte dit, à la foi doit être ajoutée la reconnaissance. Notre catéchisme, Heidelberg, on nous rappelle que d'abord, on est pécheur. Ensuite, comment nous sommes délivrés de notre état de pécheur. Puis ensuite, le troisième lieu, notre reconnaissance pour cette délivrance. La vie chrétienne, la foi chrétienne est marquée par la reconnaissance. Et ça devrait nous appeler à réfléchir. Réfléchir sur nous-mêmes, vous et moi. D'abord, est-ce que peut-être pour quelques-uns, on a besoin d'apprendre que oui, la foi, c'est marqué
manifestée par la reconnaissance. Nous savons tous que la foi, c'est de faire confiance en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais cette foi se manifeste par la reconnaissance envers Dieu. Déjà, vous dites « Merci à Dieu de m'avoir sauvé ». Mais il faut nous aussi apprendre à dire chaque jour « Merci à Dieu ». Chaque jour de dire « Merci à Dieu de nous avoir sauvés, de nous sauver chaque jour ». Chaque jour de nous purifier, on dit « Merci ». Mais ensuite, peut-être un autre aspect à corriger pour quelques-uns parmi nous. Quand on demande à quelqu'un la foi, comment est-ce qu'on peut le reconnaître? On dirait « C'est par les bonnes œuvres ». Les bonnes œuvres, c'est le fruit de la foi. Mais j'ose dire que les bonnes œuvres de quelques-uns, c'est un fruit amer. J'ai un ami à moi, très religieux. Lui, très religieux, très zélé. Il donne beaucoup, il se donne beaucoup, il est toujours prêt à servir. Mais quand je l'écoute, je dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui manque. Puis en considérant cet acte, je me dis, peut-être c'est de la reconnaissance. Cet homme, il est prêt à servir. Il donne beaucoup. Mais dans son service, il est souvent amer, critique, cynique même. Vous et moi, on a besoin d'examiner notre vie chrétienne, surtout nos bonnes œuvres. Avons-nous des bonnes œuvres marquées par la reconnaissance? C'est de la foi qui jaillit la reconnaissance. Et quand la joie jaillit de la reconnaissance, nos œuvres bonnes, notre service chrétien est marqué par une attitude de reconnaissance, par une attitude joyeuse. Et j'espère que c'est un texte qui nous encourage tous, parce que vous avez une foi vivante, oui, une foi reconnaissante. Envoie la reconnaissance de votre foi, parce que c'est dans vos prières, dans les chants que vous faites, c'est dans le visage, envoie la reconnaissance. C'est aussi dans votre attitude. Quand vous rendez un service, vous le faites de bon cœur, joyeux, reconnaissant de servir. Vous êtes prêt à dire merci. Merci parce que vous avez reçu la guérison de Dieu. Vous avez reçu la purification de Dieu. Vous êtes sauvé, rapproché de Dieu. Et alors, votre foi est reconnaissante envers Dieu et envers le Seigneur Jésus, notre Sauveur. Mais là, on arrive. On arrive à la leçon de cette histoire. On arrive au détail le plus important, plus unique, et même pas simplement unique, mais le détail surprenant de cette histoire. Parce que le seul qui vient pour dire merci, c'est un Samaritain. Un Samaritain reconnaissant. Le troisième aspect qu'on veut considérer, une leçon pour nous tous. Parce que la personne la plus inattendue de votre entourage, cette personne-là peut venir et dire merci à Dieu. La personne la plus inattendue de votre entourage peut venir et dire merci à Dieu de l'avoir guéri et sauvé. Voilà la leçon que nous avons de ce Samaritain. Relisons ce que nous avons vu tantôt, le verset 17 et 18. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Mais s'est-il trouvé que cet étranger pour venir, revenir et rendre gloire à Dieu? » Cet étranger, si je reprends les paroles, disons dans Éphésiens chapitre 2, là les non-juifs, les païens sont appelés étrangers, ils sont incirconcis, exclus, étrangers aux alliances. Ils sont sans espérance, sans Dieu, ils sont loin. Les juifs appelaient les autres loin, et ces samaritains étaient loin dans deux sens, dans la foi, la religion, ils étaient loin de la vraie Dieu. Et loin aussi dans sa santé parce qu'il avait la lèpre. Loin, il vient, il revient pour dire merci. Qui aurait deviné, qui aurait dit, « Oh, c'est cet étranger-là qui va revenir dire merci. » Personne. Personne. Et alors, c'est à lui que Jésus dit cette parole de réconfort. D'un confort, d'une promesse. Il dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Tu n'es plus un étranger, dit Jésus au Samaritain. Tu n'es plus un étranger. Tu n'es plus un étranger, tu es plutôt, comme on dit encore en Éphésiens chapitre 2, tu es citoyen, concitoyen avec le peuple de Dieu. Tu es même membre de la famille de Dieu. Donc au lieu d'être loin,
il est proche. Il est proche de Dieu, il est proche de son peuple. Voilà le Samaritain. Le Samaritain, hier soir, en lisant cette histoire avec mes enfants, j'ai demandé les Samaritains, c'est quoi les Samaritains? Puis mon enfant a dit, mais c'est des bons Samaritains. Oui, on connaît l'histoire du bon Samaritain. Mais on le dit, le bon Samaritain, parce que c'était tellement extraordinaire, on l'appelle le bon Samaritain. Mais à l'époque, pour les Juifs, les Samaritains n'étaient pas bons. C'était des pas bons. Des pas bons Samaritains. Ils avaient la mauvaise religion. Ils avaient une religion à l'écart. C'est-à-dire, ils prennent un peu ici, un peu à gauche, à droite, pour fabriquer, bricoler une religion. De plus, ils y ajoutaient l'immoralité. Donc, les Samaritains, c'était des pas bons. Puis, de notre époque, il y était des pas bons. Oui, on dit, oui, les pas bons, ça, c'est les non-croyants. Les agnostiques, les athées. Les pas bons, c'est les croyants non-pratiquants. On peut même dire, les catholiques, c'est pas les pas bons. Ils n'ont pas la bonne religion, la bonne manière. Et de nos jours, quand on dit comme chrétien, c'est qui les pas bons? Mais on parle des LGBTQ+, c'est pas bon. On pense aux politiciens, les avocats, c'est pas bon. On peut même dire, oh, les bouddhistes, c'est pas bon. Les musulmans, c'est pas bon. Les voleurs, les avorteurs, ils sont tous des pas bons. Et même peut-être dans votre entourage, votre quartier, collègues de travail, même les membres de votre famille, vous dites, par rapport à Dieu, ils ne sont pas bons, ils ne sont pas bons. Et parfois, c'est même simplement l'étranger qu'on rencontre, une personne dans l'épicerie qui vous énerve, ou quelqu'un qui vous appelle, télémarketing, à l'heure du souper. C'est pas bon, on n'aime pas ça. Mais est-il possible que parmi ces gens-là, il y en a un qui va revenir et remercier Dieu. Nous sommes appelés à être témoins auprès de tous, parce que celui qu'on attend le moins, ou celle qu'on attend le moins, c'est la personne qui pourra revenir et dire merci à Dieu de m'avoir guéri, purifié et sauvé. Je vous encourage à profiter de vos réseaux pour être témoins auprès d'eux. Surtout ces temps-ci avec le déconfinement, la pandémie a eu un effet intéressant sur nos relations. En parlant avec plusieurs membres de l'Église, j'ai vu que les contacts qu'on a eus, notre réseau a changé beaucoup. On a plus de contacts avec nos voisins, avec ceux qui vivent dans notre bloc d'appartement. Parce qu'au lieu, comme pendant la pandémie, au lieu de courir le matin pour partir à la garderie, à l'école, au travail, puis travailler toute la journée, le soir, on revient, puis encore chercher les enfants, aller à la réunion qu'on a, faire les activités des enfants. Au lieu de faire tout ça, on était à la maison. Tout le monde était à la maison. On a dû rester à la maison. Puis au lieu de rester dans la maison, on est sorti pour prendre une marche dans les rues. Puis on rencontre des voisins. Puis à un moment donné, on se fatigue d'être toujours dans les mêmes lieux, donc on va dans les rues un peu plus loin, donc on rencontre d'autres voisins. Puis là, confinement a eu l'effet d'ouvrir les relations avec nos voisins, ceux qui sont dans le bloc d'appartement. Ouvrir les relations avec eux, de les connaître, de les connaître mieux. On est présentement dans le déconfinement, on commence à retourner au travail et tout, mais on voyage moins à cause des limitations, à cause des vacances. Mais je vous encourage à garder ce contact avec vos voisins, des gens de votre bloc d'appartement. Continuez à garder ce contact et développer ce contact. Vous aurez l'occasion d'être un témoin auprès d'eux, de témoigner de votre foi reconnaissante. Vous pouvez parler avec eux et dire, de témoigner de votre foi reconnaissante, le fait que vous vivez l'espoir et non pas l'inquiétude, de vivre la paix et non pas la peur, de vivre la reconnaissance et non pas l'amertume, pas les critiques. Ça peut être par votre sourire, par le fait que vous avez le courage d'aller parler avec un autre, ou simplement par un geste de bonté. Peut-être même un petit mot, un encouragement, un cadeau que vous envoyez. Ça peut être aussi par vos paroles, quand vous dites « merci », ou même « je remercie Dieu de m'avoir guéri, je remercie Dieu d'avoir protégé la vie, la santé de ma famille, je remercie aussi Dieu de m'avoir purifié, que Dieu me sauve ». Je dis merci à Dieu. Puis ensuite, les inviter les autres à dire, « Toi aussi, tu peux dire merci à Dieu. Tu peux dire merci à Dieu d'avoir protégé, gardé ta santé. Merci Dieu pour la guérison. Tu peux
peux aussi dire merci à Dieu de me purifier, me pardonner, me rapprocher de toi pour être ton enfant, vivre dans ta famille. Et qui sait? Il est bien possible que la personne la plus inattendue, plus surprenante de votre entourage, c'est cette personne-là qui reviendra pour dire merci à Dieu. La personne la plus surprenante pourrait dire merci à Dieu. Et lui ou elle ne sera pas seul. Elle va être avec vous, avec nous tous, pour remercier Dieu. Remercier Dieu notre Père et aussi remercier Jésus, celui qui nous guérit, qui nous purifie et qui nous sauve. Amen.